Bonjour mes chers enfants, bienvenue à la fin de notre histoire « Ma maîtresse est une ogresse ». Alors, passons voir l'image illustrée. Comme vous pouvez constater que notre cher Thomas est toujours stupéfait et surpris. Il est dans la classe, regardant attentivement sa belle maîtresse, qui lui sourit et qui lui parlait doucement. Mais il ne croyait toujours pas ses yeux. Alors, sa nouvelle maîtresse n'est pas un monstre? Sa nouvelle maîtresse est une jolie et gentille dame? Écoutez bien la fin de l'histoire dans l'épisode 4. Épisode 4. Quoi? À croquer? Cette fois-ci, son nez trop. Thomas doit connaître la vérité. Alors, tu vas me manger? Demande-t-il d'une voix étranglée. La maîtresse sourit à Thomas et chuchote. Tu sais, si les maîtresses mangeaient les enfants, ça se saurait depuis longtemps. Fin. Alors, mes chers amis, finalement, Thomas parle avec la maîtresse, mais d'une voix étranglée. Étranglée, c'est-à-dire une voix tremblante, serrée à la gorge. Pour le rassurer, la maîtresse lui chuchote. Chuchoter, ça veut dire lui parle doucement à l'oreille pour que personne ne les entende. En lui souriant, bien sûr. Comme ça, mes chers enfants, on a terminé notre première histoire. Ma maîtresse est une ogresse. Rendez-vous dans une deuxième et nouvelle belle histoire du conte d'Afrique de l'Ouest, sous-titre Le lion et le lièvre. À bientôt!